Assalamu alaikum, voilà, c'est Bala Touré depuis Fumugleita, 19 septembre 2022. Nous voilà au niveau du barrage de Fumugleita. Tel que vous le voyez, voilà de l'eau qui coule à gogo. Et dans cette cuvette que vous voyez ici, qui est d'une étendue de 35 km sur 45, cela contiendrait au moins 500 millions de mètres cubes d'eau en saison sèche. Et en saison haute, c'est-à-dire pendant l'hivernage, au moins 1 milliard de mètres cubes d'eau. Et voilà, cette eau coule d'ici de façon gravitationnelle, sans besoin de pompage, pour aller se déverser au niveau de Kaïdi. Minimum 90 km. En amont, beaucoup d'eau, 1 milliard de mètres cubes d'eau, et en aval, des populations pauvres, des populations dont la survie dépend de l'étranger. Les céréales, à 95%, la Mauritanie les importe de l'étranger. Et tout le monde a vu, quand le Maroc avait fermé la frontière l'année dernière pendant quelques semaines, nous avons connu de telles difficultés où les carottes, les choux, ou la moindre tomate était difficile à trouver à Nouakchott. Cela doit changer. La Mauritanie doit changer. La Mauritanie doit assurer à ses enfants un minimum de dignité. Un minimum de droit, celui à la survie. Voilà, nous voulons que cela change, notre pays doit changer. Et cette eau aurait pu servir d'ailleurs à produire de l'électricité. À défaut d'électricité, ayons au moins du riz, des carottes, des choux et autres produits agricoles à consommer. Merci.